Tahiti, c'est là où Matisse a été voir comment était la lumière de l'autre côté de l'équateur. Donc imaginez cet homme-là qui, au milieu du siècle dernier, fait 30 ans après avoir découvert la Corse, il va à Tahiti, et il prend le bateau, il traverse le Pacifique pour aller voir la lumière. Le choix de la palette noire, elle s'inscrit dans la phrase de Matisse, et Matisse a dit: le noir est une couleur. Et toute la difficulté a été de tracer cette veine principale. Je me suis rappelé que Matisse avait au bout d'un manche un crayon. Et j'ai été chercher dans mon atelier, il était 3 h du matin, un manche avec un crayon, j'ai mis au bout. Et en un quart d'heure, j'ai tracé cette courbe. Comme Matisse, j'ai appris à savoir comment était fait un arbre. Je suis allé à la Tête d'Or à Lyon, où il y a 9 000 arbres, et j'étais croqué des arbres pendant des semaines pour voir comment était fait un arbre. Et comme Matisse, j'ai été surpris par le fait que dans les arbres, il y a des vides entre les feuilles et les branches, il y a des vides. J'ai laissé volontairement blanc, monochrome, parce qu'en fait, dans le travail du blanc sur mon relief, quand vous regardez un petit peu en termes de photographie, vous avez l'ombre qui joue avec les reliefs. Et en fait, l'ombre devient du noir. Et ça rappelle la gouache qu'a utilisée Matisse sur cette céramique blanche. Pour moi, le thème de l'arbre, c'est les racines. Vous savez, cette phrase de Sénèque, cette idée de Sénèque qui disait que plus un arbre est secoué par le vent, plus ses racines se fortifient. Et pour moi, un homme, c'est pareil. Voilà, c'est des valeurs fortes qui permettent de résister au temps et mieux se préparer à l'avenir. Voilà.